C'est une histoire, donc, qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Accusation tombée un peu plus tôt cet après-midi au palais de justice de Drummondville. Drummondville où le drame a eu lieu. Jean-Luc Ferland, 33 ans, accusé de meurtre au deuxième degré de sa mère, Suzanne Desjardins, 57 ans. Marie-Lise Mormina avec les détails. Donc, la victime craignait pour sa vie. Marie-Lise, elle avait fait promettre à son conjoint de faire en sorte que sa mort serve de cri d'alarme si jamais un drame se produisait, et cet homme très courageux aujourd'hui a tenu parole. Oui, on vient de rencontrer Steve Girard, le conjoint de Suzanne Desjardins, qui a perdu la vie, malheureusement. Et c'est un homme très émotif qu'on a rencontré, mais Michel, il était encore aussi sous l'adrénaline du choc de la perte de sa conjointe. Il n'a pas cessé de répéter durant l'entrevue que sa conjointe était courageuse, courageuse d'avoir pris sous sa charge son fils qui souffre d'un spectre de l'autisme, un fils âgé de 33 ans. Et s'il l'a fait, vous l'avez mentionné, c'est parce qu'elle lui a fait promettre que si jamais malheur devait lui arriver, qu'il allait prendre la parole dans les médias pour dénoncer le manque de soutien et le manque d'aide aux parents, aux familles qui ont un enfant autiste. J'ai dit « Allô, ma blonde, ça va bien? » Elle dit « Non, ça va pas. » Elle dit « Je m'en vais au poste de police. » Elle était sur la panique, là, ça allait pas bien. Quand elle m'a parlé, elle dit « J'ai descendu en bas parce que Jean-Luc, elle dit, avait installé une grosse plaque de bois sur le mur, puis il était en train de faire du tir au couteau. » Puis elle dit « J'ai dit à Jean-Luc, il y en a, c'est pas un bunker ici. » Elle dit « C'est pas fait tirer du couteau. » Puis là, il s'est mis en hystérie, il est venu fou, là, elle a eu peur. Elle a voulu bien faire. Elle est partie. Elle avait peut-être peur de rester là puis que la police arrive trop tard. Elle est partie, elle a été là-bas. Elle a été voir les policiers. Je ne sais pas ce qui t'arrive, madame. Tout ce que je sais, c'est que ma blonde m'a dit « Si jamais il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, je veux que tu ailles voir les médias et que tu dises que j'ai été voir les policiers. » Puis que, surtout, au niveau national, le gouvernement, il a passé une annonce à la déviance, c'est bien beau, mais les familles ont besoin d'aide. Et ce que M. Girard nous explique, c'est que cet enfant autiste, enfin, c'est quand même quelqu'un de 33 ans, Jean-Luc Ferland, était devenu violent. Et peut-être que vous demandez pourquoi est-ce que Suzanne Desjardins l'accueillait chez elle s'il avait des problèmes de santé mentale aussi importants. Ça devait être temporaire. L'homme de 33 ans était dans une résidence et durant la pandémie, lorsque sa mère lui a rendu visite, elle s'est dit « Ah, ça me fait mal au cœur, je peux pas le laisser là, le voir dans cet état, dans cette résidence. Je vais le prendre chez moi, du moins de façon temporaire, le temps de lui trouver peut-être un autre logement. » Et en l'espace de 10 à 15 jours, sa situation s'est dégradée. Elle a vu qu'il devenait de plus en plus violent. Vous l'avez entendu avec le témoignage de Steve Girard. Elle a tenté d'aller chercher de l'aide, mais malheureusement, moins de 24 heures plus tard, l'irréparable a été commis. Alors, le message aujourd'hui de M. Girard, c'est d'un peu plus d'aide, de soutien et de ressources pour les familles qui s'occupent d'une personne atteinte du spectre de l'autisme. Merci beaucoup, Marie-Lise.